Jinping a rappelé l'amitié traditionnelle qui existe entre les deux pays, affirmant que cela l'aidera à se sentir chez lui lors de sa visite. Il a dit que cette amitié est solide comme le roc, car elle est basée sur la confiance et l'égalité. Le Tadjikistan est l'un des partenaires les plus proches de la Chine dans l'initiative de coopération de la ceinture et route. Et la Chine a beaucoup investi au Tadjikistan. Le président Xi a déclaré que cette relation dynamique est fondée sur des avantages mutuels. Il a appelé à renforcer les échanges culturels afin de transmettre l'amitié à la génération suivante et a invité à davantage d'efforts pour promouvoir la sécurité et la stabilité. Cela inclut des questions régionales comme le contrôle des drogues et la cybersécurité, ainsi que des affaires internationales telles que le libre-échange et la réforme de la gouvernance.